Il y a des gens qui venaient au service de référence me poser des questions sur leur cellulaire, leur iPad, leur courriel. Puis quand on est à la référence, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas passer comme une heure avec quelqu'un pour expliquer comment se faire un courriel. Alors je me suis dit, pour les satisfaire, je devrais peut-être faire quelque chose. On offre depuis l'automne 2016 des cliniques numériques. Donc, c'est des activités de dépannage, en fait, informatique. C'est plutôt des jeunes secondaires. Ils sont à la disposition des personnes qui ont des besoins particuliers en informatique. Donc, ils peuvent vraiment prendre le temps de s'asseoir avec eux, puis de regarder le problème, de leur expliquer un petit peu comment fonctionne l'appareil, par exemple. Ou des fois, ça peut être juste de se créer une adresse courriel. Ça peut être des choses, en fait, que Marie-Chantal n'a pas le temps de faire quand elle est à la référence. Le but du projet, c'était vraiment de créer un pont entre les générations, donc de permettre à des jeunes de mettre leurs connaissances à profit auprès d'aînés. C'est que ça va leur donner vraiment confiance en eux pour utiliser les appareils. Donc ça, c'est vraiment une retombée positive pour l'aîné. Puis il n'aura pas peur d'aller poser ses questions, même si c'est des questions qui peuvent sembler un peu de base. Puis c'est le fun de les voir comme ça, partager ensemble, passer un moment ensemble. Tellement. Ils sont satisfaits et ils nous remercient les deux, des deux côtés.